C'est quoi que t'apprends à conduire sérieusement là? Ça c'est marche arrière. Voilà. Attends, t'es obligé de faire une manœuvre, détacher ta ceinture et sortir un peu. Voilà, tu sais pas conduire. C'est grave toi. Mais pourquoi j'ai pas de car? Mais j'ai pas. J'arrive pas. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a un truc que tu sais faire toi? Ah! Tu me ferais pas confiance si je prends ta voiture et je la conduis. T'as dit quoi? Non, ça y est. Tu me feras pas confiance. Il y a une place là, non? C'est pas des vraies places. Là, toi, t'as vu. Ça, c'est des places. Hein. Là, c'était pas des places. C'est une là, place. Mais non, à côté. À côté. Bah non, regarde. Fais marche arrière. Regarde. Ça s'appelle comment ça? Juste moi, là. J'ai vu celle-là. Juste là. Ah, non, moi, j'ai vu celle-là. Ah, ok, d'accord. Regarde, vas-y, sors. Voilà, tu vois, tellement t'es bête. Là, c'est t'es même pas capable de te garer un peu loin. Mais vu que t'es petit, tu vois, ça passe. Ça va. Ça passe toujours. Ça rentre toujours. Ouais, c'est tout. Bah, je fais exprès, j'ai envie de me montrer humble pour la première fois. Je voulais pas trop l'impressionner. Bah, dans ce cas-là, on lève plutôt make-up alors. Bah, franchement, je peux venir sans make-up, je m'en fous. Hein. Oui, c'est ce que toutes les femmes disent, mais on l'a jamais vu. Mais ça va, j'ai quoi? J'ai un fond de teint? Oui, non, il y a rien, c'est vrai, il y a un peu de... Tu veux que je leur montre un peu ce que j'ai? J'ai un fond de teint, un peu d'anticerne, un petit contouring, du crayon, un petit gloss. Ça sert à quoi le contouring? Contouring, c'est pour structurer le visage. Donc tu structures ton visage avec du make-up. Et tu me dis que t'as rien. Bah... Attends, regarde, pour que ça fasse plus de clics. Regarde, tu peux juste... Ouais, montrer un peu comment ça. Mais ça va pas ou quoi? Voilà. Regarde, pose ça ici. Oh non, par contre là j'avoue je vais vouloir te marier là, c'est pas bon. Enlève ça parce qu'après je vais vouloir te marier. Ça te va trop bien. Tu sais que vraiment ça te va trop bien le rouge. Mais c'est ma couleur préférée. C'est que t'es en train de faire craquer mon cœur là. Non vraiment, sincèrement. Déjà que ça va me... Tu leur as dit que c'est toi qui m'as offert la sympa. Ouais, je leur ai dit. Tu sais que ça va me fendre le cœur, quartier. Tu sais que ça va me fendre le cœur de partir à Dubaï ou pas? Tu sais. Moi aussi. T'inquiète, je vais t'emporter. Pour de vrai, en plus, je rigole même pas. Je vais faire de l'import-export là. Mais j'aime pas marcher, c'est vrai. Bah, c'est vrai, tu vas pas mentir, t'aimes pas marcher. J'aime pas marcher. Genre, à chaque fois, il fait ça. Viens, il me dit, viens, on va marcher. Je le vois faire ça. Genre, je me retourne, je le vois faire ça. C'est vrai en plus. Je te jure, en plus c'est moi ça. Je reconnais le geste. C'était bien fait, hein, très belle imitation. Vraiment, c'était pas mal. Mon palais, je te dis que mon palais il est développé. Je vais pas manger dans des trucs dégueulasses. Bah t'as faim, tu prends un kebab et on en parle. Kebab? Regarde, tiens, il y a des kebabs. Ça fait combien d'années que j'ai pas mangé un kebab? Tu penses que je devrais manger un kebab? Je retourne aux sources. Moi si j'ai faim, j'aurais pris un kebab. T'en penses quoi genre si je retourne aux sources? Bah retourne aux sources, ça va, c'est un kebab. C'est non pas... mais je veux pas le manger seul. Ah, il y a des crêpes. Oh my god. Vas-y, je suis d'accord. C'est bon? Moi je suis partant, vas-y. Ah, j'ai faim. Bonjour. Quoi ça? Oh là là. En plus, j'ai fait comme des prêts. Ok, tu peux m'expliquer un peu le concept? Oh, c'est une blague, c'est une blague. Ah. Tu vois, tu sais ce que j'aime avec toi, c'est ça. C'est quoi? C'est que t'essaies pas de pomper mon argent, tu vois. Pourquoi? Tu m'emmènes dans des trucs simples. Je t'emmène pas, on a trompé. C'est ça que j'aime. T'es pas une michto, toi. Check ça. Check ça, t'es pas une michto, toi. Check. T'es pas une michto, dis-le. Je suis pas une michto, ouais. Ouais. Vas-y, viens, on goûte. Est-ce que tu sais qu'on doit ramasser son plateau quand tu finis dans un truc pareil? Ouais. On doit... J'espère que t'as ramassé le mur. Oui, bah oui. J'ai pas laissé le monsieur le faire. Parce que là, t'as rempli ton devoir de femme. Félicitations. Premier step. Non, tu es bientôt une femme mariable. C'est le respect des gens. Oh.
travailler là-bas. Aucun respect, t'es là pour ça. Et toi, tu respectes pas? Et tu veux qu'on se marie ou qu'on se marie pas? Ça va. Si tu veux qu'on se marie, tu dois commencer à apprendre à ramasser mon plateau. Ah bon? Ouais. Déjà que j'ai de l'argent, donc t'auras même pas besoin de cuisiner, c'est déjà ça. Ah, ça c'est super. De toute façon, la dernière fois que j'ai cuisiné, tu m'as dit quoi? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse dans tous les cas. La crêpe, c'est toi, tu l'as choisi? Ah ouais, c'est ma faute. Bah. La pâte, n'importe ce que tu mets à l'intérieur. Là. Elle était épaisse. Elle était épaisse. Elle était dégueulasse. Dis-le. Elle était épaisse. Elle était dégueulasse. Dégueulasse. Bien, ça va? Ouais, c'est cool. Let's go, tu fais pas d'accident, bien évidemment, tu fais attention. T'as ton permis? Avec des voies cyclables aussi grosses que ça. Vous allez me supprimer des voitures. Hein? Tu veux venir prendre un café au passage? Non, ça va aller. Un thé? Non, c'est bon. Chocolat chaud? Non, merci. Un verre d'eau? Non, merci. Gazeuse? Non, vraiment rien. Jus d'orange? Jus de pomme? Pamplemousse? Tequila? Attends. Ouais, la troisième fois d'affilée, allez, vas-y. Ah, c'est bon? Oh, oh. Oh, ça trompe, ça trompe. C'est dans la boîte. Ah, je savais que t'allais caler. Après, t'es une femme. Ça va. On pardonne. Je me suis dit, ça allait pas arriver. Quand t'allais filmer, mais si, en fait. J'allais dire quoi? Je suis arrivée à la station d'essence. Non, mais attends, parce que tu viens de caler, là. change pas de sujet. Arrête! Change pas de sujet. Oh, tu viens de recaler! Attends, je te jure, ça me stresse ta caméra sur moi. Mais là, t'as la pression. Ah, oh, c'est la pression. D'ailleurs, comment tu conduis, quoi? Bah allez, je vais où? À droite là. À droite? Ouais. Oh, t'as des grilles là-haut. Non, mais. Attends, t'as pris un sens interdit là. T'as pris un sens interdit. Non. Non, mais attends, mais non, mais là, c'est abusé là. J'ai pas pris. C'est un sens interdit. Non. C'est un sens. Je connais. C'est un sens test. On aurait pu mourir là. Attends. Oh, il y a un voyant orange, jaune là. Orange. Oui. Non, c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a de normal? Qu'est-ce qui est normal? Ça va pas ou quoi? Mais... Attends, tu calmes. Trois fois d'affilée. Tu prends un sens interdit et tu me dis qu'avoir un voyant allumé, c'est normal. Alors, mais il a toujours été allumé. Oui, mais et c'est normal. Je suis mort. Non, on va mourir ce soir. Ah, roule doucement, roule doucement. Ah, je suis prêt, j'ai mal au ventre là. Ah, j'ai mal au ventre. T'as dit quoi? T'es sûr? T'es quoi? Tu veux pas que je vienne boire un thé? Tu veux boire un thé? Tu veux quoi? J'ai pas entendu. Bon. T'es sûr que tu veux pas boire un thé? Fais-moi un câlin. Fais un bisou. Tu vas à partir. La caméra. Fais un bisou à la caméra. Salut. Un bisou. Un bisou. Non. Fais un bisou. Je leur fais ça. Fais un bisou. Je leur fais ça. Fais un bisou à la caméra. Bisous. Salut. Elle est vénère. Vas-y, fais-moi un câlin. Regardez comment elle est vénère. Deux semaines. Tu restes deux semaines. C'est de quoi à quand? Tu veux venir quand? Non, je vais rester une semaine. Tu veux venir quand? La dernière semaine d'avril, je peux. La dernière semaine d'avril? Mais mes parents, ils arrivent le 27, ils habillent. Ah. Mais si, mais tu peux venir en fait.
toute façon, mes parents, ils sont pas logés chez moi. Donc, tu peux venir. Ouais, mais tu seras avec tes parents tout le temps. Moi, je connais personne là-bas. Je suis pas tout le temps avec mes parents, moi, je travaille. Ouais, mais encore pire. Tu seras avec tes parents au travail, moi, je suis. Mais toi, on se voit à la maison le soir, dans tous les cas. T'as déjà goûté? Ça dépend. Quel genre de thé? Le nôtre ou le thé à la menthe que les gens prennent? J'ai pas compris. Aussi. T'as dit quoi? J'ai pas compris. T'as dit quoi? Alex, je parle du thé à la menthe, le thé marocain. Ouais, ah, le thé marocain, oui, que tu m'as servi la dernière fois. Ah oui. Je t'ai jamais donné de thé. Ouais, c'est faux, en plus. C'est totalement faux. Ouais, casse-toi. Allez. Non, tu fais moins câlin. Tu vas me manquer, je te jure, je t'aime bien maintenant. Tu vas faire bizarre. Baise-moi la main. Baise-moi la main. Vas-y. C'est bien, c'était mignon. Bisous, Alex. Ciao, Bella. Ciao, Bella.